Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kajim. Salut les classes de force qui payent les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On n'est pas au Maître Kajim, mais on est dans mon garage Spartiate. Ah bon les amis, j'en ai gardé des machines, et surtout cette machine que vous voyez là, je suis dessus là, le vélo. Ah bah oui, mais celle-là, je lui fais l'amour matin, midi et soir. Durant toutes les prépas que j'ai vécues dans ma vie, elle était là cette machine, et elle me quitte pas. Faut que les excuses les amis, il neige ici à Bergerac, ouais, il neige, il y a des bons flocons de neige, ça tient, 5 cm, ça tient, pour la Dordogne et le sud-ouest, c'est rare les amis, c'est très très rare. Voilà, je vous explique, je suis arrivé ce matin vers 14h, j'ai fini le boulot, j'ai commencé à 8h, j'ai fini 14h, bon c'est le jour où je me repose un tout petit peu l'après-midi, je finis un peu plus tôt, et les gars, je suis parti faire une petite sieste, c'est d'où ma gueule comme ça, avec la coiffure laisse tomber quoi. Et je me suis réveillé, j'ai dormi, j'étais en Dordogne, je me suis réveillé, quand je suis sorti, j'ai regardé par la baie vitrée, oh putain, on dirait que j'étais en Alsace quoi. Tout était blanc, la neige elle tient, c'est rare hein. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Et surtout, à tous ceux qui disent que ouais mais c'est compliqué, je peux pas circuler, nanani nanana. Voilà. Faites comme moi si vous avez un petit vélo, faites un petit entraînement à domicile, ne lâchez pas vos objectifs. Le corps d'été se fait en hiver. Ces périodes ils vont passer parce que c'est dur. La neige pour circuler, le verglas, etc. Faites attention. Si vous n'avez pas de pneus de neige comme nous, on n'est pas équipé ici, il faut rouler tranquillement. Voilà. Et surtout le matin, mettez des chaussures qui accrochent un tout petit peu parce que ça glisse. Ah, quand tu glisses, tu tombes, ça fait mal, je te dis, ça fait mal. Bon, les amis, comme vous l'indique le titre, bon, c'est pas bon, je m'entraîne 3 fois par jour. Ouais, vous allez dire, putain, comment s'entraîner 3 fois par jour, lui? C'est chaud quand même, s'entraîner 3 fois par jour. Ouais, soit il est dopé, soit c'est pas normal, hein. Mais les amis, avec la volonté, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Il y a des athlètes, les amis, de haut niveau, qui sont même pas dopés, hein, dans d'autres milieux, hein. Le football, la natation, le tennis, etc. Là, ils s'entraînent très très dur hein, pour atteindre un bon niveau et surtout les premières années pour avoir le niveau qu'ils veulent pour pouvoir résister sur la scène internationale, etc. Et que par la suite, même pour entretenir, ça devient très très dur. Pourquoi? Parce que pour entretenir le niveau, il faut taper, rester sur la même cadence. Bon, le corps il fatigue et tout ça, mais voilà, après ça se ressent avec les blessures, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça aujourd'hui je vous expose ce sujet-là, parce qu'il y en a plein qui disent « Waouh, ça doit être impossible, c'est quoi cette pédagogie de merde de Maître Cal, etc. etc. » Vous savez très très bien, les amis, que 90 jours. On a 90 jours, il nous reste 86 jours. Ah ouais, les amis, la première semaine, c'était hard. Alors, c'est moi qui donne les instructions à ma team de Chacal. Et dans ma team de Chacal, on a 10 profils. Sur les 10 profils, il y a 10 morphologies. Si tu n'as pas regardé encore la vidéo de mon armée de chacun, je t'invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube, d'accord? Tu tapes, tu vas trouver, je vous présente, je pars en sèche avec mon équipe de chacun, le but c'est d'avoir un corps athlétique. On voulait faire entre nous ça, et vous l'afficher sur internet le résultat, l'avant-après. Une évolution collective, et par la suite, comme vous le savez, j'ai annoncé que j'organise le premier show de body transformation sur la ville de Bergerac. C'est une première, hein. Il n'y a rien qui a été fait ici sur la ville, pourquoi pas développer le bodybuilding, le fitness, cette vision, cet état d'esprit. Voilà, on arrête les idées reçues sur le body, etc. etc., etc. Donc, c'est un show de body transformation où on juge les gens, pas que sur la condition physique actuelle qu'ils vont présenter sur scène, mais plutôt sur la transformation physique. C'est-à-dire qu'une personne qui était en surpoids, si par la suite elle se retrouve avec un ventre plat, mais bien sûr qu'on va l'applaudir, les amis, il faut applaudir parce que il a porté ses couilles sur la scène déjà devant des gens. Parce que je peux vous dire que les amis, il y a énormément de gens que l'idée leur a plu. Énormément de gens qui vont venir. Et surtout, on a fait l'entrée, franchement, à 10 euros. Sachant que s'il y a des bénévoles, ils peuvent passer. Mais il faut quand même qu'on rassemble un peu de sous pour pouvoir payer la salle, le DJ, la lumière, le tan. Parce que je vais les mettre dans des bonnes conditions. Un backstage, le micro, présentateur, etc. Vous allez suivre tout ça sur ma chaîne YouTube. Tout ça, c'est avec la passion, les amis. Parce que c'est mon kiff. Parce que j'ai fait des compétitions, j'ai vu les compétitions, on a rêvé les compétitions, et pourquoi pas un jour les faire nous-mêmes, avec des gens lambda.
des gens comme vous derrière la caméra, des débutants, on les met en avant, on met leur travail en avant et dire que tout est possible. Même si tu as 70 balais, comme Thierry par exemple, Monsieur Déchiquetance, tout est possible. Donc ces gars-là, je suis en train de travailler très très dur avec eux. En ce moment, ils se déchirent les amis, c'est très très dur pour eux, surtout de se mettre dans une diète stricte mais limitée pour chaque personne, dosée pour chaque personne, dans le but de surtout de faire sortir et exploser leur potentiel de masse musculaire, leur potentiel naturel. Pour certains, c'est la première fois qu'ils font une diète, pour certains, c'est la première fois qu'ils se mettent avec un rythme hard comme ça, parce que je peux vous dire que cette semaine, la moitié, ils étaient défoncés. Ça commence à dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, des points d'interrogation, etc. C'est très très dur pour certains, est-ce que je suis fait pour ça et tout. Pour le moment, ils sont hyper motivés, mais je vous dirai dans les vidéos, dans les prochaines vidéos, vous savez très très bien, je vous annoncerai que ça soit sur mon Instagram ou le Facebook, donc suivez mon Instagram Matrocal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont annulé, arrêté, avant le show, abandonné, parce que là, c'est le mental qui est mis à dure épreuve. Comment les amis, je m'entraîne 3 fois par jour, je vous explique. Moi, j'ai la salle de sport. Je coach généralement entre 9h et 21h, d'accord? Je fais 12h par jour, 3 fois par semaine, et le reste je fais 7-7. Voilà, ça, c'est quand même assez chargé. Je fais 7h le mardi, 7h le jeudi, je fais 12 lundi, 12 mercredi et 12 vendredi. 36 plus 14, 5, déjà 36 plus 14 c'est 50, et vous ajoutez à ça, 55-60 avec le samedi, parce que le samedi je vais faire les réunions, les formations alimentation, les formations sur l'entraînement, les initiations, les rendez-vous de groupe comme par exemple là le rendez-vous des chacals, voilà ce samedi là, parce qu'à chaque fois on va parler aussi du show qu'on va faire, l'organisation, tout ça. Mais je peux vous dire que le show il va être magnifique les amis, vous allez suivre, si vous êtes dans le coin, passez, regardez. Tout le monde, et en plus, ça va être convivial, familial, les participants, ils vont inviter leur famille, leurs frères, leurs sœurs, etc. Voilà, ça, il y a plein d'émotions qui vont se passer, et surtout, je pense que vous allez voir les résultats, ça va vous plaire aussi. Alors les amis, je me lève le matin, je prends mon petit déj. Je vous donnerai pas, franchement, tout ce qui est alimentation, pour les résultats que je vais avoir, ou mes chacals ils vont avoir, on va les exposer à la fin. Après le show, quand le show il sera terminé, le vlog du show, on mettra une deuxième partie pour parler comment on a fait. Et là, je vais interviewer les gars devant vous et vont parler de leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont mangé, comment ils se sont entraînés, est-ce que c'était dur, au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé, le suivi, etc., etc., pour qu'au moins, si vous voulez vous lancer dans ce type de délire, au moins vous savez qu'est-ce qui vous attend, parce que franchement, il faut du mental. Ah, le mental, ça dépend ton métier. Ça dépend tes heures, l'organisation, etc. Mais pour le moment, ils s'organisent tout le temps. Il y en a qui viennent même le soir très, très tard faire leur cardio. Alors les amis, moi, mon organisation, à moi, c'est comment? Pour m'entraîner 3 fois. Et je vais être honnête avec vous, c'est pas tous les jours. Hein. C'est pas, vous regardez le titre, vous dites, waouh, oh, il se fout de notre gueule, nanani, nanana, il ment, baba, baba. Et dans quel but je le fais? Alors les amis, c'est déjà, c'est comme une prépa de compétition. Hein. Faut être prêt. Maintenant, on a une date. Le 16 avril, il faut être prêt parce que je vais faire aussi une exhibition, moi, pour montrer aussi ma transformation. Parce que moi, je vais donner l'exemple. Je vais commencer le premier, vous avez vu ma shape, là je vais essayer d'arriver avec une shape un tout petit peu plus découpée, des abdos visibles, des muscles bien dessinés, surtout pour les mettre en avant, et une belle symétrie. J'ai 3 mois pour faire ça, sachant que j'ai une bonne mémoire musculaire, ça fait 24 ans que je m'entraîne, donc je peux quand même avec la diète et tout ça, si je me remets à fond, je peux avoir vraiment un bon résultat, et surtout comme j'ai mon armée derrière moi qui lâche rien, on va avancer tous ensemble. C'est motivant les amis, en collectif, c'est motivant. Alors, je me lève le matin, je prends mon petit déj. Vous allez découvrir ce qu'on mange, etc. Le but, les amis, pour avoir un corps athlétique et surtout séché, c'est d'être en déficit calorique. Ça, c'est la première règle. Le déficit calorique, les amis, c'est dépenser plus de calories que ce que vous consommez dans la journée. Tout est calculé pour chaque membre de la team, pour moi-même. Donc, du coup, pour connaître le déficit, ce que je fais, c'est qu'on calcule toujours les dépenses qu'on fait. J'ai donné des directives aussi, les amis, pour garder le corps toujours en activité. Dans mon cas, les amis, je me lève le matin, tac, tac, je prépare mon petit déj, tac, je me douche, bam, je vais à la salle. Quand je vais à la salle directement, les amis, je me pose pas, je laisse pas mon corps, non. Direct, quand j'arrive, ce que je fais, je passe un coup d'aspirateur, je nettoie un tout petit peu, toujours en activité. Le corps, il a besoin d'être toujours en activité pour pouvoir brûler tout le temps. Alors, par la suite, les gars, ce qu'on fait, c'est que je vais sur le tapis, je me tape 1 heure de tapis, pente entre 12 et 14, vitesse à 6,5.
une heure. Je brûle généralement entre 700 et 900 calories. Je peux vous dire que ça prend cher, les tibias, les mollets. Là, je les sens. Je les sens, les amis. Et surtout, ce qui est dur par la suite, les amis, c'est qu'à chaque fois que vous terminez le cardio, vous avez faim. C'est un truc de ouf. Ça ouvre l'appétit, vous avez faim. Là, ça, c'est franchement à tester. Fais-toi une heure à fond. Tu vas bien transpirer. Et surtout, bien boire, les amis, pour bien dégager. Parce que quand tu transpires, pour évacuer l'eau, évacuer la rétention d'eau, etc. Bien boire. Pour éviter aussi tout ce qui est blessure, surtout, et les courbatures que vous avez pour bien récupérer. Bon! Donc, je fais ma petite heure, je descends. Je me tape 3 coachings. Pam! Jusqu'à midi, je mange mon petit repas. Je me pose, allez, 30 minutes, tranquillement, je regarde les réseaux, je fais de la pub, tatati tatata, parce que vous savez très très bien que pour pouvoir avancer sur ton projet et mettre ton business en avant, il faut que tu aies une bonne visibilité. On a 9 salles de sport pour 20 000 habitants. Je vous parle de tout, là, de mon quotidien. On a une super visibilité grâce à Instagram. Franchement, elle nous a mis en avant dans le top 3 des salles de sport. On vient d'arriver qu'en moins de... Ça fait même pas 6 mois. D'accord, les amis, ça se développe très très bien. On a un système qui travaille que sur la transformation physique. Les autres salles ne font pas ça. Donc du coup, maintenant, les gens, pour une ville comme Bergerac, ils savent très très bien que maintenant, si tu veux métamorphoser ou transformer ton corps, tu viens chez Maître Cal, le numéro 1 de la transformation physique. On travaille sur l'alimentation, l'entraînement, le suivi, le bilan corporel, l'analyse morphologique. Tout est personnalisé à 300%. Les résultats s'attendent. Vous pouvez voir sur mon site internet ou sur notre page Facebook. Les gens, ils sont contents. C'est des gens, franchement, on va de tout. De 16 ans jusqu'à 80 balais, des débutants. Beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de mecs. D'accord ? Assidus, motivés les femmes. Ils poussent, ils cassent des fibres, ils poussent de la fente. Je suis hyper content. Voilà, et fier d'avoir une armée comme ça aussi de femmes qui poussent. Ça fait plaisir. Donc, par la suite, les amis, je reprends. Quand je reprends, je fais mon refaux vers les coups de 14h. Donc, je fais mon refaux. Des fois... Il y a Adrien qui arrive, ou Kevin, voilà, ou Domi qui viennent parce qu'ils veulent s'entraîner avec moi, etc. Et qu'on a envie de s'entraîner tous en groupe parce que ça motive encore. On ne lâche pas. Quand on voit quelqu'un ramer, on le tire vers le haut. D'accord? Ça, c'est hyper important, ce collectif-là de l'équipe des Chacals. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de dire aux gens, entraînez-vous tous ensemble ou au même créneau pour vous motiver. D'accord? Si tu as un petit coup de mou, l'autre, il te motive. Alors, je me fais une heure. Une heure non-stop, je la fais comment, les amis? Si par exemple, moi, j'ai l'épaule à faire. Si j'ai l'épaule à faire avec biceps, je me fais généralement 4-5 exos. 4 exos pour l'épaule. Je choisis 4 exos, peu importe, développé militaire, élévation latérale, frontale, oiseau puste branché, etc. Je fais 15 répétitions de chaque en ayant une charge quand même à 85% qui me met dans le mal. C'est-à-dire qu'au bout de la 15e, je suis cuit et que je peux l'encaisser du début de la séance jusqu'à la fin de la séance. Pour faire mes 4 tours, je travaille en circuit training. J'enchaîne le maximum possible. Je suis en train de faire du cardio en même temps. Et ça renforce beaucoup, les amis, votre cardio. Là, je suis à niveau 7 sur le vélo. Depuis tout à l'heure, je vous parle. Vous sentez pas que je suis essoufflé de ouf. Parce que c'est l'habitude. J'ai travaillé mon cœur comme ça et mon cardio. Toujours, même sur le tapis, je peux parler avec un client, lui exposer les formules, les machins, etc. Et les gens, ils demandent toujours. Ils disent, putain, il n'est pas essoufflé, le meilleur. Il peut rester une heure à parler, tac, tac. C'est une habitude. Habituez-vous à travailler comme ça et vous allez réussir. Les premiers mois, ça va être dur. Mais quand ça fait longtemps que vous le faites, c'est bon, vous allez avoir l'habitude. C'est comme quelqu'un qui commence à faire des vidéos. La première fois, ça va être dur. Mais petit à petit, il va être un peu plus à l'aise. Donc, j'enchaîne les 4 tours. 1 minute de récup max, bam. 1 minute, tac. Et par la suite, je passe aux biceps. Je choisis par exemple 3 exos pour les biceps. 15-15-15, 1 minute, 15-15, je fais 4 tours, baf, terminé. Généralement, sur 1 heure de boulot, les amis, 1 heure de renfort, je suis à 50 minutes minimum de travail. Je peux vous dire que vous êtes dense, vous êtes veineux, vous sentez que vous êtes dur. En plus, nous, on est capuchés, on est toujours au chaud, d'accord? On garde notre température le maximum possible, bouillante, d'accord? Parce que peut-être il fait froid à l'extérieur, mais à l'intérieur, on est chaud, toujours chaud, tac, 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 on est en train de brûler pour pouvoir sortir cet aspect athlétique. Voilà, franchement, j'espère que vous allez bien regarder cette vidéo-là du début jusqu'à la fin, parce que c'est hyper important ce que je vous dis. Si vous aussi, vous commencez à vous projeter vers la sèche, vers le summer body, vers le corps d'été, etc., ça peut vous aider, les amis. D'accord? On est là pour le partage à 300%. Là, je vous vends rien, les amis, je vous vends de la sueur. Je suis en train de suer pour vous, et j'espère motiver pas mal de personnes qui sont derrière la caméra. D'accord? Il n'y a que la souffrance qui paye. Par la suite, j'enchaîne généralement 14h30 jusqu'à
Ça dépend la journée, les amis, jusqu'à si j'ai des cours courts ou pas, parce que j'ai des cours courts, je fais des cours de cross ou de cardio-boxing. Donc, jusqu'à 20h30, 21h. Mon dernier client, je le termine 21h, 21h30. Après avoir encaissé toute cette journée, et surtout, les amis, que moi, je fais entre 10 000 et 18 000 pas par jour, j'ai une application dans la salle, de mon bureau, jusqu'au chute, de mon bureau, au cardio, du cardio, jusqu'au fond de la salle, du fond de la salle. Je fais des diagonales, je fais comme ça. Franchement, si j'ai un truc pour dessiner, j'arrête pas. Les mollets sont au feu, je dis bien, allez, au feu. Le talon d'Achille, il va péter. Quand j'ai déjà encaissé tout ça, je commence à sentir la fatigue. Ce que je fais, généralement vers les coups de 16-17 heures, je me prends une petite collation, genre une compote avec des amandes, etc. Et par la suite, je repars coacher. 21h, 21h30, je monte sur le tapis, c'est la fin du game. Et là, je me use. Je me mets pente à 14, vitesse à 6,5 pendant une heure. Des fois, tu sais, quand on démarre à 4, et par la suite, directement, pendant les 10 premières minutes, histoire de... Et par la suite, je repars comme ça, les amis. Et là, ça me fait 3 times. 3 fois, motherfucker, motherfucker, motherfucker. Il faut du mental, après avoir encaissé tout ça. Avoir la faim, avoir toute la fatigue de la journée... Il faut du mental et traîner ton cul. L'avantage que j'ai, c'est que je suis sur place toute la journée en 12 heures de travail. Ça veut dire que sur une journée, par exemple, de 13-14 heures, 3 heures, voilà. Et des fois, quand j'ai pas le temps, je suis débordé par les coachings, etc. Le renfort, je le fais avec un coaching. Comme ça me permet de gagner ma séance en même temps. Le cardio, je le fais avec un autre coaching. Et il me reste juste le cardio du matin solo. Et voilà, les amis. Comment, moi, je m'entraîne 3 fois par jour? Alors, pour le premier mois, les amis, je me suis fixé 3 à 4 jours comme ça. Ça veut dire 12 heures. 12 heures par mois. Ça veut dire par semaine. 12 heures par semaine. Le premier mois, 12 heures. En dehors du fait que le samedi, je fais sortir les chacals avec moi pour aller courir, etc. C'est très très dur. Hein. C'est une prépa, on dirait, pire qu'à l'armée. Hein. D'accord? Deuxième mois, les amis, on passera à 5. Et le dernier mois, les amis, ça sera 6. 6 fois. Avec qu'un seul jour de repos. Là, on arrive quand même à faire un jour de repos dans la semaine et ça veut dire minimum 3 fois par semaine. Moi, je le fais 4 fois, mais minimum 3 fois, j'ai dit, pour l'équipe. Ceux qui font 4, c'est cool. Ceux qui font 5, c'est cool. Mais il faut toujours garder un peu de repos, ne pas vider ses cartouches du barillet dès le premier mois. Petit à petit, on monte progressivement. Parce que dès qu'on va monter encore plus, on va user encore plus le corps. Et on n'a pas envie de se blesser, sachant que les niveaux des gars, c'est des débutants. Pour encaisser, ça doit être chaud. C'est pour ça, des fois, il faut récupérer pour mieux repartir, les amis. Et la diète, elle va corser petit à petit. Le déficit calorique, il va augmenter étape par étape pour pouvoir creuser, sortir les abdos et sortir les muscles saillants. Voilà, les amis, en gros, le résumé de cette vidéo-là. J'espère que j'étais clair. J'attends vos commentaires. Si vous avez besoin d'aide, mon Instagram, Maître Cal. Pour du coaching en ligne, les amis, comme d'habitude, mon numéro de téléphone, le 07 77 68 49 24. Voilà, vous me contactez sur WhatsApp. Tout est personnalisé, les amis. Les gens qui me contactent, quand vous avez un objectif, s'il vous plaît, mettez-le moi avec des photos, qu'on puisse analyser votre corps. Voilà. Là, en ce moment, les places, ils sont hyper limitées parce que je suis débordé. Ceux qui me contactent, ils doivent être motivés, montrer leur motivation. Un objectif atteignable parce que je vais vous donner, moi, suivant mon expérience personnelle, les objectifs à atteindre. Et par la suite, les amis, on puisse travailler tranquillement, d'accord? Et surtout, c'est hyper accessible. Vous avez le régime alimentaire, le programme d'entraînement, le suivi par WhatsApp tout le temps en vidéo. C'est accessible, les amis. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Je sais que c'est très très compliqué en ce moment avec l'inflation, etc. Mais si vous cherchez la qualité, il faut vouloir investir sur son corps, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. N'oubliez pas, l'alimentation, c'est hyper important. L'entraînement, c'est hyper important. Et surtout, savoir s'entraîner intelligemment pour éviter les blessures. Je vous dis à la prochaine, les amis, et restez motivés à 300%. Peace.